Allo tout le monde, voici Champion MMCL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Je suis nomade. La série à laquelle que je m'aventure complètement en étant nomade. Et si ça saccade de votre côté, que tout pour moi-même, ça saccade de mon côté aussi. En raison de perte de performance et tout cela. Bon, est-ce que j'ai de la nourriture? Oui, j'ai de la nourriture. J'ai une pioche. Une pioche finie que je peux m'en débarrasser parce que on se souvient, je suis nomade. Puis en étant nomade, il faut que je fasse attention à mon inventaire qui peut se grossir assez rapidement. Ceci, je vais le faire exploser. On sait quoi faire exploser. Je sais même pas quoi faire avec les coffres, honnêtement. Mais vraiment, je sais pas quoi faire avec les coffres. Bon, pour qu'est-ce qui est des pioches, je veux m'en débarrasser probablement. Ouais, je vais m'en débarrasser, puis je vais me faire une nouvelle. C'est pas plus grave que ça. Il me faudrait que je fasse cuire ceci. 32, 8, 16, 16 plus 16, 32, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Pendant que ça se cuit, j'ai ça. Je crois que... De toute façon, c'est mieux de tout faire cuire comme ça. On peut tout de suite faire plus de choses. Libérer de l'espace plutôt. Et là, il va me falloir du silex. C'est facile à faire du silex. Il faut juste être patient. Voilà le silex. Deux silex. Je me demande c'est quoi les probabilités pour le silex. Alors, pour le silex, que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je fais ceci. Ensuite, je fais cela. Pour pouvoir donner, bien sûr, ceci. Je vais revenir, je sais que je suis arrivé de là, mais je m'en sais plus par où que faut que j'aille. Comme un petit peu que j'ai pas démarré Minecraft. Donc je peux pas en upcard. Il est mort là, assez rapidement. Si tu peux formidable. Voilà, on va faire exploser le temple. Pas juste en bas du temple. Juste pour vous dire. Nous prenons la TNT. Comme voici. Je prends le silex. Et je m'enfuis. Wouhou! C'est pas pour mon affaire. Protéger aucune poutre. Au moins ça détruit le temple au complet, au moins. Je m'attendais pas que la bombe irait aussi proche que ça. Je ne m'y attendais pas à cela. Mais le temple est... Il en reste plus gros. Disons-le. Il n'y en reste absolument plus gros. Il reste juste ceci. Et c'est tout. J'ai réussi ce que j'avais à faire. Une chose faite, c'est on a de la TNT, on sait pas quoi faire. C'est bien de faire n'importe quoi avec ça. Qu'en dites-vous? Faut bien les gaspiller un jour. Je vais se retourner au point de départ, comme qu'on peut dire. Là, faut que je retrouve mon campement. Hein? Oui, mon campement des jeux, je sais plus. Probablement il part là. Probablement. Ah ouais. Hey. Ben voilà. C'est pas magnifique. Magnifique. Ça c'est encore en train de cuire. Mais ça. Oh, que ça finit. Le dernier, puis. Et c'est terminé. Parfait. Voilà. Ça c'est fait. Pour qu'est-ce que je dis, je vais l'emmener. Ceci, je vais le laisser là. Je vais même peut-être faire des torches supplémentaires pour masquer le chemin quand que je vais revenir à nouveau. C'est pas par là, c'est de l'autre côté. J'en mets 4 torches quand même. Là, je vais voir là.
torche. Ah, je vois une torche qui est très bien visible. Parce que je vois de la lumière. Et voilà, je suis arrivé au campement. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres laines? Ça, je vais m'en débarrasser. Que ce soit à côté de la lave, c'est parfait comme ça. Je vais peut-être laisser un coffre. Voilà, je vais laisser ça, comme ça. Parce que ça me tente. On va faire ceci. On va faire des petites traductions par ce port-là. Coupeux. Ah, j'ai de l'émeraude. Tellement rien à faire avec l'émeraude que je vais laisser celle-là. Aussi. Ça aussi, on va en laisser pas mal de choses. Tout ça, je vais garder. Même la gravelle. Ça, ça et ça. Voilà. Strict minimum. Maintenant, allons-y. Puis cette fois-ci pour de bon. Peut-être avant, je ferai que de la nourriture un tout petit peu. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Est-ce que je fais? Non. Le four, je vais le laisser là. Puis je me ferai un autre four. J'ai assez pour un autre four. Puis je minerai un tout petit peu. Puis juste avant de partir, je vais me faire une pioche. La pioche. Et voilà. Avec un succès déverrouillé. En plus. En bonus. Ah, c'est même plus facile à sortir. J'ai même pas besoin de penser, savoir où que je suis passé. C'est pas magnifique. Maintenant, nous allons partir par là. Eh ouais. Nous allons partir de ce côté-là. Ce serait bien de trouver un cheval pour pouvoir aller encore plus vite. Puis aller plus loin, bien évidemment. Sachez que les campements, peut-être à un moment donné, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir au point de départ, faire un cycle, tout simplement. Mon objectif, c'est pas d'aller le plus loin possible. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif est tout simplement d'être nomade. Je veux dire, les coffres vont m'être bien utiles. Ah oui! Une chose que j'ai oublié Faut que je fasse. Faut que je dise où que je m'en vais. Bien évidemment. Parce que c'est un point de repère. Quand même, ben, si je meurs, puis j'ai pas. Oh, finalement, je vais laisser faire le lit. Là. Je vais même me donner un indice. Ici. Voilà. Je suis parti tout droite. Et c'est vrai. Parce que c'est le cas que c'est ce que je fais. Oui, je vais peut-être essayer d'aller le plus loin possible, mais bon, c'est pas mon objectif premier. Mon objectif premier, c'est juste être nomade, avoir une petite difficulté supplémentaire. Même si ça sera pas une difficulté nécessairement, mais ça va être une certaine difficulté. Oui. Et la raison est telle que faut que je pense à mon inventaire. C'est ça, la difficulté, c'est avec mon inventaire. Wouhouhou. Là là. Un âne, est-ce que ça se monte, ça, un âne? J'ai vu d'autres ânes. Sinon, je vais prendre l'âne pour commencer. Ça doit pas aller, par contre. Ah, bah oui, lui, il a plus de cœur. Ils sont du seul adressé, les autres. Ouais, officiellement, les ânes sont du seul adressé. À comparer, Yeah! Besoin de ceci, et voilà. Ah! Quand même. Et je suis parti par où, moi? Ah, ok, je viens d'être là. Ça, c'est pas nager. C'est vrai. Je repense pas à ça. Ceci, c'est pour la laine. Parce que je vais me faire un lit portatif. Quand même, on va faire un lit pour ça, c'est. Je vais me faire un lit que je vais emporter tout le temps. Un Enderman.
Je vais aller là-bas avec mon arme, bien évidemment. On va utiliser cette pioche. Oh shit. Intéressant quand même. Oh. Intéressant. J'ai vraiment hâte que la 1.13 arrive. Ah, c'est pas de bon sens. Elle est pas encore arrivée. 1.13, j'ai hâte qu'elle arrive. Ah! Hey, j'ai plus. J'utilise moins la roulette, qu'avant. Je trouve. Si je trouve du slime, je me fais un lasso. Sans hésiter. Bon, ça c'est pour mon arme. L'enclos de mon arme. Ok. Dans le pire de cas, je fais ceci. Question de se protéger. Protéger durant la nuit. Pendant ce temps-là, moi je m'en vais en bas. Explorer en bas. Pas une bonne idée par contre, qu'est-ce que je viens de faire là. Oui, c'est vrai, dans la dernière vidéo, je pensais d'utiliser mon or. C'est vrai. Ok, c'est juste un petit trou de rien du tout. D'accord. Un petit trou de rien du tout. Qui va me servir comme qui va me servir. J'ai tellement un coup de pogner l'Enderman. Je voulais savoir qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire ça, c'est un autre repère. Ouais. Je vais faire que ça, les repères. Je vous le dis. Peut-être je vais encercler la zone, peut-être, je sais pas. Ce serait une bonne idée quand. C'est pas pire comme idée. Ceci, je fais cela pour faire une table de craft. Je vais mettre ici. Avec cette table, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, c'est vrai. Je vais faire ceci. De toute façon, c'est pas naturel, on s'entend. Vu que c'est pas naturel, pourquoi pas? Ouh, faut que je fasse attention. À éclairer la zone. Je n'ai plus de torche, mais ce n'est pas un problème. Parce que je peux toujours faire ceci et cela. Et voilà. Puis pour les torches. Et voilà, si simple que cela. Là, c'est qu'est-ce que je me demande qui est sur la laine. Ça, je vais m'en débarrasser. Ou tout simplement mettre un coffre ici et m'en débarrasser comme cela. Du bois de chêne que je vais utiliser pour me camoufler à 100%. Je le mets de ce côté-là, parce que ça va être facile à rentrer. J'ai oublié de faire un lit. J'aurais pu me faire mon lit puis puis dormir. Il y a des creepers, bien évidemment. Toujours qu'il y ait des creepers. Ouais, qu'est-ce qui est bien, c'est que ça va être plus facile à reconnaître, à savoir que c'est pas naturel, parce que c'est ma base. On s'en fout des creepers de toute façon. Oui, je m'en fous d'une certaine façon, d'une autre façon. Je vais être libre pour faire. Du problème avec ma souris. Pourquoi elle a pas voulu faire ce que je voulais qu'elle fasse? Qui est attaqué! Bon! Je suis. Tout droit. J'ai vraiment plus le réflexe mais vraiment de faire un
Ouais. Pour mon épée. Beaucoup plus le réflexe grâce à un jeu. Tout droit. Par là. Je laisse faire les moutons. Et le creeper. En particulier. Pour ça, je laisse faire les moutons. À cause des creepers. Ok, je vais aller de l'autre côté. Finalement. Tout simplement parce que. Parce que c'est comme ça. Ah, il y en a des moutons. Ah, bon, ce cas. Là, des moutons. Combien de moutons? Il y a 5 de moutons. Il y a même des vaches. Que je vais en profiter. Bon, j'ai 5 de viande de mouton. Et de huîtres. Voilà. On va laisser un autre message ici pour. Je suis passé par ici. Et je suis parti tout droit. Voilà. C'est fait. Comme ça c'est vraiment des points de repère. Une flaque de lave là. Ah ouais. C'est facile à repérer, une flaque de lave. Hein. C'est tellement facile. C'est bon. Faut juste regarder que si ça brûle ou que les arbres ont succombé, sont brûlés. Voilà la façon comment trouver des lacs de lave. Ouais, j'ai de la misère avec ma souris, je ne sais pas pourquoi. Mais comme que j'ai dit dans la vidéo annonce et tout ça, c'est des pertes de performance. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez? On peut tout avoir des pertes de performance à un moment donné. Puis moi j'ai une perte de performance sur mon ordinateur. Oh. D'autres armes, je trouve juste des armes, pas de cheval. Juste des armes. Je savais. C'est comme ça avec les chevals. Je vais le laisser là parce que je veux pas me mélanger. Sinon, avec plus de vue, je vais le prendre l'autre. Puis quand je trouverai des chevals, je vais prendre des chevals. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Une très bonne nouvelle. Ok, je vais te mettre le côté. T'en mets le côté. Puis j'ai t'es libre déjà. T'es déjà libre. Voilà, tu es libre. Maintenant, c'est lui que je veux dresser. Mais c'est plus difficile à dresser par contre des armes que des chevaux. Ça, c'est sûr, c'est plus difficile. Ah! Tu disais quoi? Ah, rien. Ouais. Finalement. C'est mal comme mal, hein, quand même. Ils ont pas fait comme un vrai cheval ou des vrais animaux pour ça. On sait qu'avec un cheval, tout ça, ils peuvent nager, même si nous sommes sur leur dos. Ils n'ont pas fait ainsi. Dommage, mais c'est pas plus grave que ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller juste attendre que ce soit la nuit ou que j'aille un océan. Parce que déjà, cette arme-là, je vais le ramener. Ah, il y a d'autres armes en plus. Chut. Je vais juste leur changer de groupe. Bon. T'es dressé. Voilà, t'es déjà libre. Et ça prend pas de temps, hein. Je suis gentil, je libère quand ça me sera plus utile de toute façon. Surtout là. Surtout là. Bonne chance pour l'emmener. Bonne chance. Alors pour ça, je vais rester ici. Je n'irai pas plus loin, du moins pour aujourd'hui. Parce qu'en plus, ça va être déjà tout pour aujourd'hui. Sérieusement, j'ai vraiment hâte que Minecraft 1.13 arrive enfin. C'est la mise à jour tant attendue. Vraiment, là. Qui n'attend pas cette mise à jour-là? Tout le monde l'attend. Ils vont remplir les mers et tout. Puis j'ai une autre vidéo prévue
quand il va sortir. Ou du moins, pas loin. Que j'attends juste ça, cette mise à jour pour pouvoir faire cette vidéo. Moi qui cherche comment sauter, puis c'est chercher l'espace. Wow. Ah, il faudrait aussi que je peut-être me bûcher bûcher du bois dans la prochaine vidéo, tout ça. Je suis parti sur le rivage à droite. Voilà. Que ça c'est fait. Sur les rivages à droite. Puis je vais mettre même un autre panneau ici. Juste là où que je vais faire ma cachette. Là, ils ont mis de la bizarre. Faut bien que je fasse espace, hein. Sinon, ça fonctionnera pas. Ah oui, ça va fonctionner, mais sinon, je vais juste couler. Et voilà. On se fait un petit abri pour survivre, bien évidemment. Ça fait du bien de jouer à Minecraft, vu que je joue pratiquement plus. Ça fait du bien de jouer à Minecraft de temps en temps. Je vais partir à partir de là. Et on creuse. Ah, pu finir! Ouvrir juste une petite cachette pour le lit, peut-être d'autres affaires, puis c'est un coffre, bien évidemment, je vais tout vider ce que je n'ai pas besoin. Très utile la selle, ça serait pas drôle de voir un creeper qui rentre, tout ça. Ah! Mais ça arrivera pas! Le lit, je le prends, je me fais une table de craft. Avec le bois que je vais faire sur la prochaine vidéo. Tant pis. Alors pour ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Le retour sur Minecraft. Je sais qu'il y en a qui, je pense, qui aimeraient revoir Upcurd. Mais pour l'instant, vu que cette série, justement, qui est actif, je ne ferai pas de Upcurd. Parce que là, c'est au 2 mois. On dirait quasiment. Je pense que la dernière fois que j'ai fait justement, c'est le mois, pas le mois passé, mais il y a 2 mois. Est-ce que je vais recommencer Upcurd, là? Et la question? Ben oui, je vais recommencer la série Upcurd, inquiétez-vous pas, mais pas pour l'instant, tout simplement. Quand? Je ne sais pas. Vous allez découvrir en temps et lieu, c'est juste que... Ou sinon, qu'est-ce que je vais faire à un moment donné si je recommence à Upcurd? Je ferai un cycle, un mois à Kurt, un mois de cinéma de OP. Tout simplement. Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est le bienvenu. Mais ça, j'ai pas couru, bien évidemment. Ah, pour ça, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Je suis nomade. La série à laquelle je suis complètement nomade. Donc, oui, ma première préoccupation, c'est peut-être, oui, aller le plus loin possible, en étant nomade, puis en revenant peut-être plus tard, au début. Pas tout de suite, là, quand je vais être assez loin, peut-être. Puis peut-être faire un cycle et tout ça, etc. Ah, pour ça, je vous dis merci à tous.